ou boire aussi de l'eau et pas quelque chose comme ça, trop sucré. Ou ça, vous allez parler, si tu manges ça, ou ça, je préfère de l'eau. Est-ce que c'est du sucre? Qui dit bif? Qui dit non? Est-ce que tu as déjà goûté? C'est une poudre. Alors, je peux vous assurer, du miel, c'est 100% de sucre. C'est à la fin aussi du sucre comme ça. Exactement. C'est bif. Vous avez déjà espété? Non. Alors, ça, c'est aussi 100% de sucre. Si vous mangez des fruits, est-ce qu'il y a du sucre dedans? Si vous mangez une cerise, une fraise, une orange, qui dit oui? Qui dit? Qui dit non? Et le goût, quand vous mangez une frise, quand même, il y a du sucre dedans. Et qu'est-ce que tu veux me dire? C'est du sucre? Oui, mais je dois vous dire, c'est du sucre, c'est du sucre. Si il est dans le fruit, si c'est du calme, si ça c'est du miel, pour la carie et pour la concierge, pour le truc d'énergie, c'est 30 combien de sucre il y a déjà dedans? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, dans un grand verre de jus d'orange, il y a déjà comme 7 morceaux de sucre dedans. Dans toute mon litre là de jus d'orange. Jus d'orange, on a mangé comme 35 morceaux de sucre. Ça, c'est quand même beaucoup, non? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre jus d'orange le matin parce qu'il y a de vitamine C dedans. Qu'est-ce que c'est bon? Ici, est-ce qu'il y a du sucre dedans? Non. Alors, de l'eau, parce qu'il n'y a pas de sucre dedans, on peut boire toute la journée. Ok? Qui boit de ice tea? Ice tea? Est-ce que tu peux lire? Elles sont toutes pareilles ou elles ne sont pas toutes pareilles? Là derrière, regarde. Quelqu'un d'autre qui veut regarder? Regardez. Je crois que moins sucré que la plupart. Oui, vous regardez sucre et après il a écrit combien de morceaux de sucre? 23 grammes de sucre. Alors je vous montre. Regardez, 23 grammes de sucre. Regardez sur ma main. 5, 6, 7, 8. Alors, dans une canette de ice tea, il y a 8 morceaux de sucre dedans. Et parce que là, on n'a pas de vitamine C, c'est seulement du sucre et de l'eau. Ça, je n'aime pas. Le jus d'orange, vous pouvez boire parce qu'il y a de vitamine C dedans. Mais pas toute la journée. Sinon, un jour, on grossit aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui boit du lait? Oui, j'adore. Est-ce qu'il y a du sucre dans le lait? Non. Qui dit oui? Qui dit quoi? Eux, ils disent oui. Moi, je dis aussi oui. Parce que c'est le sucre du lait. Ça existe aussi. Il y a du sucre de fruits, on a dit. Et il y a aussi du sucre du lait. Sauf, regardez, dans ça, il y a un petit morceau de sucre. Ça, c'est raisonnable pour tout ça. Qui prend du Actimel? Moi, de temps en temps, mais pas du tout. Ouais, moi aussi. De temps en temps, parce que souvent. Moi, souvent. Qui prend nature? Nature? Qui prend avec de goût de fruits? Personne? Ah, ça c'est déjà génial. Parce que dans ce petit truc-là, il y a 3 morceaux de sucre dedans. Et ceux-là qui préfèrent avec un goût de fruits?
Le goût de fruit, le même truc avec du fruit, on est à 9 morceaux de sucre. Alors, si vous prenez le Actimel, s'il te plaît, tout le monde, nature. Ok? Est-ce que vous êtes intéressé que je vous montre aussi qu'est-ce qu'il y a dans une boîte de céréales comme sucre? Ou, j'ai encore, non. Qui mange le Nutella? Il y a du sucre. Est-ce qu'il y a du sucre dedans? De temps en temps. De temps en temps. Ma mère, elle en veut. Combien de morceaux de sucre dedans? Maintenant, vous avez vu combien de sucre il était dans ma pâte de jus d'orange. Dans cette pâte de jus d'orange, combien de morceaux de sucre peut être là-dedans? Non, on est déjà à 35 là pour le jus d'orange. Ici, 35. Il me donne un peu de plus. 36. Un autre chiffre.